Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de notre série d'achat-revente sur ce FIFA 16, sur ce FUT 16, Road to Zlatan Ibrahimovic, les gens. Donc on est parti dans ce 4e épisode avec toujours la même technique d'achat-revente, parce que cette technique fonctionne à merveille. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette technique pour vous l'avez essayé, et si vous l'avez essayé, j'espère qu'elle marche autant bien que moi, parce que elle marche à merveille cette technique, même si elle a galéré un peu, mais depuis le début des fuites masses, moi cette technique marche à merveille. Je me fais des bénéfices incroyables, comme la preuve qu'en une semaine j'ai réussi à presque tripler mon nombre de crédits que j'ai eu. Donc c'est vraiment énorme. Je crois qu'on a fini l'épisode 3 avec une 30 000 crédits. Et vous allez voir, on va finir avec cet épisode avec 80 000 crédits avec cette technique, les gars. Donc ça m'envoyait du lourd. Je vais presque pouvoir m'acheter Zlatan. Je pense qu'au prochain épisode, on aura peut-être fini cette série. Donc il va rester un ou deux épisodes, pas plus. Ça c'est sûr. J'ai pas encore acheté les joueurs à l'heure où je vous parle. Donc ça va arriver très très vite. Donc en tout cas, pour cette technique, si vous la connaissez toujours pas, les gars, elle est très simple. Regardez mon troisième épisode. Je l'explique parfaitement. Voilà, ça marche très bien. Moi, je la fais pour l'instant avec des joueurs de BPL parce que c'est les joueurs les plus utilisés dans le jeu. C'est les joueurs qui sont le plus joués, donc plus joués, plus achetés. Et plus achetés, plus de bénéfices, plus facilement, plus rapidement surtout. Donc comme vous l'avez vu, on va avoir plusieurs dans cette série, dans cette vidéo, on va avoir plusieurs. Rachat, plusieurs relances, plein de relances, hein, ça c'est sûr. Et on va faire plusieurs ventes, etc. Il y a juste un moment où je vous dirai où j'ai complètement oublié d'enregistrer le moment où je supprime mes joueurs, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça va pas changer grand chose, parce que voilà, vous allez juste pas voir les joueurs au prix auquel j'ai vendu mes joueurs, mais ça ne change rien. Donc là, vous pouvez voir qu'on attaque déjà directement la deuxième série, la deuxième relance, donc deuxième rachat, on va dire. Donc je voulais vous parler aussi un peu des vidéos, donc des nouvelles vidéos vont sortir très prochainement, des nouvelles séries tout simplement, parce que voilà, j'aurai à l'heure où je vous parle, je pense que à l'heure où cette vidéo sera sortie, je vais avoir reçu mon nouveau PC, donc ça va être un PC gamer. Je vais pouvoir en même temps vous proposer enfin du stream sur Twitch. J'en avais fait avant, mais c'était avec la console, donc c'était vraiment une mauvaise qualité, c'était pas terrible. Là, je vais pouvoir vous proposer du lourd, les gars. J'aurai un putain de PC, un superbe écran. D'ailleurs, je pense que je vais vous préparer une petite vidéo setup pour vous le présenter, parce que je vous avais déjà présenté presque tout mon matériel, il me restait plus que mon PC à avoir. Et voilà, pour nouvelle, je l'ai eu. Ce sera un bon PC, je vous montrerai tout ça, mais si je m'y connais pas trop, un pote me le montrera, donc voilà, c'est parfait. Grâce à ça, je vais pouvoir vous proposer des streams et des nouvelles vidéos et des nouvelles séries, parce que voilà, mon PC est vraiment un peu vieux maintenant, il a 5 ans, et je peux plus vous proposer je peux pas vous proposer avec des qualités incroyables. Donc ça va me permettre de vous proposer des vidéos en 720p, et ça va en plus vous proposer des matchs, etc., parce que c'est vrai que c'est la galère avec ce PC. Il y a certaines vidéos que j'ai déjà tournées, mais voilà, mon PC il bug, il s'éteint, du coup je dois refaire les vidéos. Donc c'est pour ça que sur Win the D1, je préfère attendre pour sortir de nouvelles vidéos. J'avais prévu une série avec une draft, mais malheureusement j'ai perdu tous les fichiers à cause du PC. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir mon nouveau PC pour vous proposer des nouvelles vidéos. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, moi je voulais vous dire aussi j'espère que vous passez de bonnes fêtes des fins d'année. Moi ça va impeccable, donc n'hésitez pas à dire les cadeaux que vous avez dans les commentaires, etc. Ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi d'ailleurs, je vais vous en parler aussi, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Là je suis actif, mais je serai encore plus actif depuis quand j'aurai mon nouveau PC, car je vais pouvoir permettre de faire plein d'autres choses aussi. Donc d'avoir des nouveaux logiciels, de pouvoir jouer, etc. Donc ça va être, en plus ça va être beaucoup mieux. Et donc je pourrais être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, tous les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Snapchat, mon nom c'est IA14HD, c'est tout simple. Sur Twitter, IA14HD aussi. Et sur Instagram la même. Sur Facebook aussi, c'est tout IA14HD. Rejoignez-moi. Ça me fait un max plaisir, les gars. Je suis plus actif sur Twitter parce que je trouve ça plus simple pour vous parler, etc. Mais rejoignez-moi partout sur Instagram et sur Snap. Je mets tout le temps
quand j'ai une nouvelle vidéo, je mets tout le temps l'image, etc. Sur Facebook, je vois le lien, etc. N'hésitez pas à venir me parler aussi dans les commentaires. Je vous dis, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Pour me parler, c'est plus simple sur Snapchat. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à me parler, ça fait super plaisir. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Là, on est à peu près à la dernière relance, à la dernière achat. Donc, on a une bonne cinquantaine de cartes, je crois. Donc je vais vendre beaucoup de cartes hein, sur cette relance parce que voilà grâce à la fuite messe j'ai fait ça juste avant Noël et pendant 3 jours j'ai relisté et ça m'a permis d'avoir vendu énormément de cartes et d'avoir un super bénéfice en fin de vidéo que vous allez voir parce que voilà ces fuite masse m'ont fait vraiment plaisir pour aller vers Zlatan Ibrahimovic et je pense que comme je vous l'ai dit au prochain épisode ça sera fini. Donc j'espère que les gars cette vidéo vous plaît, cette série vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez je pense que la série va bientôt se terminer. Donc si vous voulez une nouvelle série d'achat revente, même si je préciserai ça plus dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas, je vous avais parlé aussi d'avoir une liste, donc vous me l'avez certainement réclamé. Donc celle-là j'ai pas pu avoir le temps de vous la faire. Donc n'hésitez pas. Pour le 6e épisode et je pense le 5e ou le 6e, le dernier épisode, je vous ferai ça, je pense, pour le prochain épisode, on va dire, ce sera plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, sur 54 cartes, on en a vendu 41 et on est arrivé à 81 000 crédits. Donc, ça nous fait un super bénéfice, les gars. Et ça nous fait 50 000 de bénéfices en une vidéo, c'est vraiment énorme. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me proposer si vous voulez de nouvelles vidéos, de nouvelles séries. D'ailleurs, posez-moi dans les commentaires. Ah, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas fait, à partager un max cette vidéo. C'était à 14.5 vous les amis. Bye tout le monde les gars.